C'est l'heure d'un nouvel épisode du Journaz avec Sandrine Gintru et Blasu. Bonjour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce Journaz, c'est Roland Garros. Du coup, on va parler tennis parce que ça faisait longtemps. Oula. Hier, le match de Federer et Monfils a repris après avoir été interrompu en raison de l'obscurité. Que se passe-t-il quand un match s'interrompt? Réponse tout à l'heure dans notre Journaz spécial. Mais tout de suite, pourquoi Mais tout de suite, puisqu'on est dans le tennis, voilà, voici une nouveauté qui ravira les amateurs de fromage. Quand tu joues à un match de tennis, t'as envie de te sentir comme à la maison. Ouais. Alors essaie le nouveau fromage à raquette. Oh, avec ça, mes coups droits finiront droit au fondu courte. Lol. Fondu. Bientôt dans vos commerces. D'accord, bien ça. Ouais. Il n'est pas à 14h16. Ah ben non. Vous écoutez le journal. Ben oui, la petite devinette du matin. Qu'est-ce qui est arrivé hier dans cette même rubrique qui est pratique pour faire du poulet rôti à la moutarde ou du civet de lapin? Oula. Un four. Oui. Ah oui. Le duplex du Journaz. Et la petite vidéo de l'explication du four d'hier est en lien dans la description. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec Marc Rosset. Bonjour. Bonjour. Alors depuis que vous êtes consultant pour la RTS, vous avez vraiment adopté un vrai ton journaliste. Vous parlez de Pascal Drault? Non, un ton, le ton, votre manière de parler. Vous parlez vraiment comme un journaliste, c'est ça que je veux dire. Ah pardon. Ouais. Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup entraîné. Voilà. C'est agaçant la langue, non? Non. Bonne journée. Et à vous aussi. Insupportable. C'est fou ça, hein? Ouais, systématique. Incroyable, ouais. On passe à la partie reportage du Journaz maintenant. Je vous le disais en titre, nous sommes en pleine Open de France, les internationaux de, comme on dit, dans les petites travées de Roland-Garros, Sandrine Gintru. Je suis en ce moment à Roland-Garros où le match entre Radichkou Ponivoliev et Kukuruz Mitrapovlovitch sera très certainement interrompu en raison de l'obscurité. Que se passe-t-il quand la nuit survient? Cristobal de Tennis, co-organisateur du tournoi. Alors au début, c'est l'arbitre de chaise qui décide s'il fait trop nuit ou pas. Moi j'ai un talkie-walkie. Ah bon, c'est pas la nature. Ah oui, oui, mais enfin, on a pas tous la même perception de par exemple. Moi, je peux aider parce que j'ai un talkie-walkie. Et pardon, je vous ai déstabilisé avec ma question. Oui, et votre chemisier est ouvert. Ah, oups, pardon. Moi, je peux, ouais. Marc Rosset, consultant sportif. C'est vrai que quand il fait nuit, on voit moins bien. Oui, non, en fait, pas vous, non, pas vous. Je suis dans la cabine des commentateurs d'une chaîne française juste après l'interruption du match. Et on attend le service de Markovic Oviev. Qui met beaucoup de temps avant de servir. Ouais. Mmh. Oui, le match est interrompu si jamais, messieurs. Il va servir pour mener 4-3 dans le deuxième set. Un changement de côté qui va peut-être l'avantager un peu. Ouais. Non, ils reprennent demain si jamais. On attend de voir s'il va retenter un service volé. S'il réussit à mieux passer ses premières balles. Ouais. Oh! Et on termine ce reportage avec le pronostic de la rédaction 6-4. Au revoir. Merci Sandrine. Passionnant. Ouais. On va se quitter avec ce filet de saumon. Let's. Bon appétit. Ah ouais, bah oui, évidemment. Merci Blasu qui revient demain pour un nouveau journal et tout à l'heure dans un quart d'heure pour les Hyper News.